Regardons ensemble maintenant la gestion de projet. Cette partie n'a pas la prétention de vous former à la gestion d'un projet SIRH complexe. Si vous désirez vous former à la gestion de projet, je vous conseille de suivre le MOOC organisé par le Cercle SIRH ainsi que celui de gestion de projet indiqué en dessous de cette vidéo. Intéressons-nous aux grandes étapes du projet. Si l'on reprend ce petit graphique humoristique, le projet et la conduite du projet comportent 6 grandes étapes. Le cahier des charges, l'étude, le développement, les tests, la recette et la production. Je vous propose toutefois de retenir les grandes étapes suivantes. Dans un premier temps, l'on procédera à l'analyse de l'existant et à la formalisation de la demande. Ensuite, nous travaillerons sur la définition des besoins. Ceci nous permettant de travailler à la vérification d'opportunités de prise en charge. Deux options s'offrent à nous alors, soit la formalisation du cahier des charges et la mise en concurrence des opérateurs, soit la formalisation d'un cahier des charges et le développement en interne de la solution. Cette dernière possibilité est relativement rare. Toutefois, avec l'arrivée de solutions de type RPA, Robotic Process Automation, elle est amenée, me semble-t-il, à pouvoir se développer. La quatrième étape consiste en le paramétrage de la solution. La cinquième, le recettage et la formation des utilisateurs, pour arriver finalement à la mise en production, c'est-à-dire la mise en fonctionnement opérationnel de la solution. La formalisation de la demande est une étape importante. Il s'agit d'écouter les utilisateurs, futurs utilisateurs et d'une certaine façon toutes les parties prenantes au projet que vous envisagez concernant leurs demandes. Que désirent-ils faire? Quels sont les problèmes qu'ils désirent solutionner? Attention, cette demande s'exprime en des termes professionnels et non pas sous la forme de « j'ai besoin d'un logiciel qui fera ». Non, on parle bien d'apporter des solutions à un problème, de qualifier ce problème et de voir quels sont les éléments de qualité des processus que l'on peut améliorer. Dès la formalisation de la demande, on peut travailler alors sur l'analyse de l'existant. L'analyse de l'existant consiste en une identification et en le recensement des informations et procédures utiles à la compréhension du système d'information concerné, tout en tenant compte des modifications qu'on veut y introduire. Globalement, il s'agit d'une analyse du travail. Qu'est-ce qui est fait? Comment est-ce fait? Par qui est-ce fait? Cette analyse du travail sera combinée avec un diagnostic des éléments qui sont susceptibles de faciliter ou de perturber le projet, ainsi que par l'identification et la connaissance de l'existant informatique au niveau du matériel, des logiciels et des compétences informatiques des futurs utilisateurs. Je me permets de vous renvoyer à la vidéo concernant l'écologie de l'information et les 5 questions préalables. Vous voyez que ce travail préalable n'est pas perdu. Il sera même particulièrement utile dans le cadre de l'étude de l'existant. Ceci étant fait, on passera à la définition des besoins. Au sens le plus large, les besoins peuvent être définis comme résultant d'un écart entre ce qui est l'étude de l'existant et ce qui devrait être l'analyse de la demande. Attention, là encore, à ce niveau, on ne parle pas d'un besoin en logiciel de gestion des carrières, mais plutôt d'un besoin d'amélioration de la maîtrise de la mobilité interne du personnel. Comme lors de la définition de la demande et d'analyse de la demande, il faut faire extrêmement attention à ne pas confondre le besoin et l'outil qui va y répondre. Une fois les besoins exprimés, on analysera s'ils doivent être satisfaits par des traitements manuels ou à l'aide de l'informatique. On vérifiera la faisabilité économique ou sociale du projet. À ce stade du projet, on confirme si l'application informatique envisagée est possible techniquement et est souhaitable économiquement et socialement. Il s'agit d'examiner les probables coûts d'achat, de formation, d'utilisation,
d'adaptation de l'organisation et les gains de gestion envisagés, tant d'un point de vue financier que d'un point de vue social. Dans l'affirmative, la solution est alors mise en forme dans ses grandes lignes et plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Que cela relève de l'acquisition d'un logiciel, d'un développement spécifique, du recours au service bureau, et un cahier des charges est alors établi. Il n'existe pas de format standard d'un cahier des charges. Toutefois, l'on y retrouvera généralement les rubriques telles que les attentes et le contexte du projet, la référence à des projets antérieurs ou connexes, la nature et le volume des informations à traiter, la nature des informations à informatiser, les objectifs généraux à atteindre en termes de résultats opérationnels, la définition des critères de performance, les acteurs concernés, l'organisation du projet en grandes étapes, un échéancier, une enveloppe budgétaire prévisionnelle qu'on ne fera pas, bien sûr pas apparaître en cas d'appel d'offres, les contraintes spécifiques, et en cas d'appel d'offres, on rajoutera des clauses juridiques, les pénalités de retard, les principaux critères de choix, la formation du personnel, le matériel de base, le logiciel de base, les systèmes d'exploitation, les prix, les délais, etc., etc., etc. Pour voir plus en détail un exemple de cahier des charges, je vous propose de regarder celui mis en lien sur la présente page. Nous passons ensuite à la phase de réalisation. Il arrive, très rarement, que l'application soit réalisée en interne ou spécifiquement à la demande de l'entreprise. Alors, cette phase débute par une analyse fonctionnelle de l'application. C'est l'opération qui consiste à décomposer logiquement le système d'information, ou une partie de celui-ci, en différents modules, phases, dont on décrit le fonctionnement, les données et les résultats. Cette phase n'est pas du seul ressort des informaticiens, car la réalisation repose sur la conversion des règles de gestion en règles formelles qui pourront alors alimenter l'application informatique. L'analyse organique élabore ensuite la structure des programmes correspondant aux différents modules. Ces programmes sont ensuite développés, traduits en ligne de code, en instructions compréhensibles pour les systèmes informatiques. De plus en plus souvent, cette étape se résume à l'acquisition d'un logiciel correspondant aux besoins définis et à son paramétrage. Le paramétrage nécessite lui aussi, d'une certaine façon, l'analyse fonctionnelle des besoins. Très souvent, l'on utilise les systèmes de diagrammes de flux. Les systèmes de diagrammes de flux peuvent se présenter de différentes manières. L'une des techniques les plus connues est celle des flowcharts. Vous trouverez un exemple de flowchart pour différents processus RH dans le document mis en lien en dessous de la présente vidéo. Ensuite, ces éléments étant réalisés, on travaillera à l'installation et à l'évolution de la solution. La mise en place d'une application informatique ne se résume pas à de simples problèmes techniques, mais demande un véritable effort en matière de formation, de communication et de gestion du changement. Ceci nécessite une information préalable et une information sur l'encours du projet, d'anticiper la formation des utilisateurs directs du système, de travailler à la mise en place d'un soutien technique et fonctionnel, et une fois l'application mise en place, prévoir une période de rodage, notamment une double paye dans le cas d'un logiciel de traitement des rémunérations. Cette période de rodage, pendant quelques temps, servira notamment à ajuster et corriger le logiciel. Par la suite, une analyse et un suivi régulier du fonctionnement doivent mettre en évidence les gains réalisés et permettre de faire évoluer le logiciel. Et dans le cadre d'applications relevant des ressources humaines, de faire très attention aux différents éléments liés aux évolutions réglementaires et législatives.